Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une démo, c'est celle de Storyteller, un jeu que je voulais aborder déjà depuis il y a bien un ou deux ans, puisque j'ai eu l'occasion de la découvrir lors d'un festival Steam, et je n'avais jamais pris le temps d'en faire une vidéo, parce que j'étais happé par les sorties. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler une fois pour toutes. Pour la petite histoire, donc c'est un jeu qui est édité par Annapurna Interactive, qui ont édité quand même déjà pas mal de jeux qui ont eu pas mal de succès. Et ce jeu est développé par le créateur de Fidel Dungeon Rescue, un jeu qui est sorti en 2017, assez rigolo, dans lequel on contrôle un petit chien qui doit traverser des environnements sur des damiers avec des ennemis et des choses à éviter ou à prendre, sachant qu'il n'a pas le droit de marcher deux fois sur une case. Et donc il fallait un petit peu réfléchir à comment parcourir les environnements pour arriver au bout. Dans Storyteller, on est sur un jeu qui est un peu plus calme, un peu plus orienté, peut-être réflexion pure et dure. Donc le jeu va se présenter sous forme de différents chapitres avec tout un ensemble de niveaux dans lequel on va devoir créer des histoires avec des petites vignettes. Donc ça va se présenter sous cette forme, on va avoir des cases qui vont avoir des environnements ou potentiellement des personnages. Et le titre, eh bien, c'est ce qu'on doit faire. Donc comme il le dit, c'est construire une histoire qui correspond au titre. Donc une personne seule trouve enfin l'amour. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser nos personnages en bas, ce sont les deux seuls éléments qu'on a. Donc on va pouvoir dire, on a un personnage, il est tout seul, et puis soudainement, eh bien un jour, il rencontre quelqu'un, et comme le fond est un fond d'église, eh bien ça veut dire qu'ils vont être amoureux, et qu'ils vont potentiellement se marier. Ici c'est cœur brisé, donc comment est-ce qu'on crée un cœur brisé? Cette fois on nous propose à nouveau les deux personnages, mais également des endroits. Donc ici il y a quelque chose pour qu'ils tombent amoureux, ici il y a une tombe, et donc, on devine qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Donc, faire en sorte que les deux personnages tombent amoureux. Et puis, il va falloir en tuer un. Comme ceci. Et donc là, on va briser un cœur. Alors, sachant qu'on peut mettre les personnages dans n'importe quelle situation. On peut inverser si on veut. Concrètement, ça ne change rien. Il faut juste que le cœur soit brisé, quoi qu'il arrive. Et donc, on va avoir comme ça plein de petites histoires qui vont doucement nous faire avancer sur des choses un peu plus compliquées. Pour l'instant, on a 3 cases, plus tard, on pourra en avoir 6, voire 9, et on pourra avoir de plus en plus de personnages, d'intrigues et d'éléments différents qui vont nous être proposés. Donc ici, on nous propose de faire un cœur brisé qui est soigné. Donc un cœur brisé, déjà, on sait faire, c'est quelqu'un qui tombe amoureux, puis il y en a un des deux qui meurt, et ensuite, soigner un cœur brisé, c'est il tombe à nouveau amoureux. Tout simplement. Donc encore une fois, l'ordre des personnages n'a aucune importance. Hein. J'aurais pu faire en sorte qu'à la fin, ce soit les deux filles qui finissent ensemble. Alors, faut pas que ce soit celle qui meurt qui... Hop. Non, du coup, faut que ce soit lui qui meurt. Ici, il faut que ce soit elle, dans ce cas. Elle a le cœur brisé. Et là, à la fin, elle soit amoureuse. Donc voilà, vraiment, l'ordre des personnages n'a pas d'importance. Hein. Les amours peuvent aller dans tous les sens. Il faut juste être cohérent, notamment... Alors pourquoi? Alors non, ici ça marchait pas en fait, je suis en train de dire une bêtise. Il fallait que... Oui non, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Parce que là on voyait bien si je mettais pas ce personnage. Là il me dit d'accord, ce type il est mort mais je le connais pas en fait. Bon, ça fallait faire ça. Elle tombe amoureuse puis après elle trouve une copine. Hop. Et donc on va avoir de plus en plus de choses qui vont être un peu compliquées. Donc il y a plusieurs chapitres qui vont être de plus en plus... De plus en plus balèzes. Là pour l'instant on voit que dans cette version il y a 11 missions de base. 11 objectifs de base, et puis après, en fait, on va avoir carrément 7 objectifs secondaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir sur certains niveaux, et ils auront des petits aspects secondaires, des nouvelles demandes qui vont être faites. Et donc, il faudra adapter l'histoire avec certaines petites choses bien précises, des petites subtilités qui seront pas forcément toujours simples. Alors ici, il faut faire en sorte que tout le monde ait le cœur brisé. Donc en gros, il faut qu'il y ait des amoureux et des cœurs brisés dans tous les sens. Donc pour l'instant, ça tourne beaucoup autour des cœurs, hein. Mais plus tard, évidemment, il y aura d'autres choses. Notamment, il y aura de l'empoisonnement ou du kidnapping ou ce genre de choses. Donc ça peut devenir vraiment amusant assez rapidement avec la variété de choses. Donc là, il faut qu'il y ait du mort. Ensuite, tac. Lui, il trouve quelqu'un d'autre. Et pas de bol, elle va mourir aussi. Et maintenant, il faut que... eh bien ce soit lui qui meurt. Alors le truc c'est que s'il meurt, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui est... Ah non, je me trompe, faut pas que ce soit lui qui ait deux fois le cœur brisé en fait. Hop, il faut que ce soit elle qui ait le cœur brisé. Et après il faut que ce soit la blonde qui ait le cœur brisé. Donc la blonde, faut que je la fasse revivre. Dans un premier temps.
Et il faut qu'elle ait le cœur brisé, voilà, parce que son amour de jeunesse est mort à son tour. Donc là, voilà, les trois personnages ont eu le cœur brisé. Et on va pouvoir passer, par exemple, au chapitre 2. Et donc, c'est un concept qui est tout simple, en apparence, qui va se complexifier un petit peu, mais c'est pas non plus quelque chose de monstrueusement difficile, et qui va vraiment pouvoir nous proposer des choses. Donc on va juste faire le poison pour vous montrer un petit peu dans quelle direction ça va, puis j'irai pas plus loin parce que la démo est disponible, donc si ça vous intéresse, faites-la, vraiment, le jeu est très très chouette dans ce qu'il propose. Il n'y a pas de date de sortie, donc malheureusement, bah, pour le moment, on pourra pas vraiment voir plus de niveaux qu'il y en a dans la démo, mais sachez qu'évidemment, si le jeu sort, eh bien, je vous en reparlerai. Alors, il faut boire du poison à cause d'une séparation. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait deux personnes comme ça. Lui, par exemple... ouais, voilà. Elle va essayer de sortir avec lui. Lui va dire, bah, j'ai déjà quelqu'un, donc elle va être triste. Et donc, elle, on va lui faire consommer du poison de tristesse. Et donc là, on voit déjà qu'il y a pas mal d'autres choses. Là, on voit du meurtre. Ici, on voit un ensemble de choses avec Adam et Ève, notamment. Et puis, on a d'autres éléments qui pourront arriver plus tard, notamment avec Dracula, qui pourrait être plutôt original, on va dire, dans la façon d'être fait, parce que ça crée encore plus de situations où certains personnages vont pouvoir, par exemple, devenir des vampires, et suivant que l'un ou l'autre est un vampire, il y a des interactions différentes qui vont être faites, suivant qu'ils sont dans un endroit en plus ou dans un autre, donc il va y avoir vraiment des combinaisons dans tous les sens, et ça donne du coup beaucoup de possibilités pour créer beaucoup d'histoires, en fait, ou en tout cas pour répondre à toute une variété de situations qu'il faudra réussir à créer. Donc voilà, le jeu s'appelle Storyteller, il est disponible en démo sur Windows, pour le moment il n'y a pas encore de date de sortie malheureusement, donc il faudra attendre un petit peu. Et c'est vraiment une démo dont je trouve le concept assez chouette, et je suis très curieux d'en voir davantage. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Je vous fais des papouilles, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.